Salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique, parce qu'aujourd'hui, et oui, j'ai encore reçu, d'ailleurs si vous voulez m'envoyer également vos gameplays, j'ai reçu le gameplay d'une personne level Asian et je peux vous dire que c'est un gameplay magnifique et franchement il est assez fort. C'est un joueur PS4, on va voir ça ensemble. Vous retrouverez le lien de sa chaîne en description si jamais vous êtes intéressé pour voir d'autres gameplays comme vous allez le voir maintenant. Alors du coup, il faut savoir un truc les gars. Si vous voulez m'envoyer votre gameplay, vous avez le mail en bas en description. Et rappelons également que bientôt, il y aura la Lune Cup qui se déroulera la semaine prochaine, les gars. Donc, si vous voulez participer à la Lune Cup, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre ou devenir membre pour participer à la Lune Cup et également à toutes les vidéos de la team. Donc voilà, vous pouvez faire les activités, vous pouvez faire les courses, etc. En tout cas, voilà, on va, je pense, commencer la vidéo. Et bien, écoutez, c'est Dark Prince qui m'a envoyé la vidéo. Et bien, c'est parti, les gars, dans 3, 2, 1, go, let's go. Alors, on a une petite intro, ok, donc sa petite intro de vidéo normale, hein, j'ai envie de dire. Lucas, il s'appelle Lucas. Level Zen Impossible 4, pilote Dark Prince, un max de like pour le poteau, sa chaîne dans la description. Merci Lucas pour cette course de fou. Alors du coup, c'est Lucas qui a créé la course, je crois, c'est ça. Ok, donc déjà, on a un petit... un petit wall ride qui est plutôt pas mal. Et on enchaîne sur un petit wall ride. Mais non. Ah ouais, d'accord. Quoi? What? Ah ouais, non mais là, franchement les gars, je vais pas vous mentir, là vraiment c'est trop. Là c'est vraiment beaucoup trop pour moi. C'est quoi ça, le wall ride qui vient de passer là? Mais il a pas encore eu de points là pour l'instant les gars, il a pas encore eu de points. Franchement, incroyable. Alors il faut savoir qu'il est passé au bout de 24 minutes, hein. Faut regarder le temps en bas les gars, n'hésitez pas à regarder. Il a mis 24 minutes pour passer ce point. Je pense qu'il a galéré au petit truc fin là. On voit le ride fin, à mon avis. Hein. Mais bon là quand on voit le level, c'est incroyable, c'est vraiment trop. Pour l'instant il a toujours pas eu de points je crois. Et waouh, waouh. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent, mais vraiment chapeau aux créateurs qui créent ces courses tout le temps, qui sont des courses vraiment magnifiques et c'est des courses qui prennent beaucoup de temps à se faire. Et c'est vrai qu'on... Waouh, ouais. Ok, transfert de wall ride comme ça, c'est chaud aussi. Parce que regardez, c'est pas un tuyau qui... vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un tuyau rond. Donc, enfin, comment vous dire? Il est coupé. Donc, soit tu réussis d'un coup... Ah ouais, d'accord, faut atterrir et repartir en arrière. Oh non, franchement, cette course, il faut avoir un level pour la faire. Hein. Vraiment, il faut avoir un level pour la finir. Alors, je sais, vous êtes aussi beaucoup à me dire, ouais, j'ai envie de voir la salle sur la course. J'ai envie de voir la salle. Vous inquiétez pas. La salle, je vais lui lancer ce genre de course, il n'y a pas de souci. Sachant que là, je pense que, comme je vous ai dit à chaque fois, de toute façon, forcément, c'est obligatoire que... Quand quelqu'un fait ce genre de course, il a forcément testé avant ou fait entonner avant. Et du coup, là, il est en train de la refaire tout simplement. Sachant que là, il a quand même mis 24 minutes pour passer le point. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a même pas de point de spawn. Hein. Ouais. Alors ensuite, on arrive en dessous. Donc là, on a encore un petit wall ride plutôt sympathique. Ouais. Et hop, on tourne ici. On arrive dans le trou ici. On passe ici. Encore un petit wall ride. Waouh, ça. Non. Non, mais non, mais non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible là, ce qu'il est en train de faire. Oh. En arrière. Là, il retourne dans le même wall ride qu'avant. C'est un autre wall ride encore. Je me souviens plus exactement des éléments. Mais juste ça là. Vous voyez ce transfert. Petit bug, mais rien de méchant. Ah. D'accord. Ok, il y a eu un petit bug. Ok, il y a eu un petit souci, d'accord. Bon, j'ai pas compris. Petit bug. Ok. Oh, oh my god, heureusement qu'il a... Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il a pris un point avant. Alors ça par contre, ça fait mal. Passer tout ce truc,
tous les wall rides et tout, les wall rides fin, machin machin, et tomber sur un wall ride et regarder le temps est passé à 45 minutes et tomber à cause d'un wall ride, ça, enfin à cause d'un conteneur pardon, ça fait mal. Passer tous ces wall rides et tout et passer, c'est trop, ça fait trop mal. Moi personnellement, j'aurais mal. Parce qu'en fait, je pense qu'il était ça, c'est un, ça, bah, je pense que c'est le stress, tu vois. Et moi, quand je fais des courses level asiennes et que j'arrive dans des trous ou des trucs, je stresse, donc je touche beaucoup mon joystick et forcément, bah après, bah tu dérailles. Alors là, il y a un truc de demi-tour, faut faire un demi-tour. Ok. Donc faut être en arrière, là il est en arrière et qu'est-ce qu'il va faire après? Ok, il reprend le boost pour repartir de l'autre côté. Et là, on a encore un transfert de wall ride. Fin. Ça, c'est vraiment très compliqué. Mais en fait, une fois que vous avez la technique, après, ça paraît simple. Parce que faut juste. Comment vous dire, faut juste connaître le truc. Mais là, forcément, si vous vous entraînez pas, vous pourrez pas finir ce genre de course. Parce que moi, personnellement, vous avez vu la course que j'ai fait il y a pas longtemps, ou que j'ai lancé à la salle, ou que les courses que je fais en ce moment. Il faut s'entraîner. Parce que quand vous le faites plusieurs fois, ça devient un automatique, ça devient un automatisme. Donc en fait, ça vraiment, ça devient simple. Ouh là, là, il est tombé. Ça devient simple et ça devient pas compliqué. Alors là, par exemple, lui, regardez, tu vois ça, par exemple, là, il est en train de faire un transfert double ride. C'est devenu tellement simple pour lui que c'est devenu automatique. C'est comme si, comme on disait avant, les gars, c'est comme si c'était une route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, il y a encore un transfert ici. Bon, là, il a du mal un petit peu parce que c'est vrai que là, attention, là, c'est un transfert qui reste quand même compliqué. Parce que c'est petit. Regardez, hop, il a à peine. T'as même pas le temps de faire le transfert que faut déjà repartir sur un autre transfert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, là, c'est un transfert de barrette compliqué. Donc, vous pouvez mettre plus de temps qu'un transfert long, comme on a vu auparavant dans la course, où vous avez le temps de vous replacer, vous avez le temps de remonter. Alors que là, t'as pas le temps de remonter. Il faut enchaîner tout d'un coup. Donc, là, comme vous pouvez le voir, il a tout enchaîné d'un coup. Il a mis quand même pas mal de temps. On est quand même passé à 84 minutes. Ce qui fait, ça fait plus ou moins 1h25 qu'il est sur la course. Et il finit la course au bout de 1h25. Vous êtes premier. Ouais, c'est ça. Dark Prince. Dark Prince. 1h25 et 12 secondes pour finir cette course. Qui est sur PC, pardon. C'est sur PC. Bravo à toi. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez également participer. Et voilà, c'est une série qui est devenue courante sur ma chaîne. Maintenant, j'en fais une toutes les semaines. Si vous voulez m'envoyer votre gameplay, sachant qu'il y en a pas mal qui m'en envoient toutes les semaines, n'hésitez pas à m'envoyer votre gameplay. Sachant que je préfère pas me spoil avant. Bon, je défile plus ou moins des fois de temps en temps pour quand même me donner une idée. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire. Sur ce, les gars, bah, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hein. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Cette vidéo, franchement, pour ma part, c'est pas la meilleure, sachant que celle d'avant, elle était quand même hard aussi. Parce que pour ceux qui ont vu la semaine dernière, la course que j'ai montrée la semaine dernière, les gars, le gars, il n'y avait pas de points de spawn. Là, quand même, il y avait des points de spawn. Alors qu'avant, il n'y avait pas de points de spawn, il a tout enchaîné d'un coup. Il a mis, je crois, 3 minutes. La vidéo a duré, enfin, la course durait 3 minutes, mais bon, il a accéléré et tout, donc je pense qu'il a mis quand même pas mal de temps. N'hésitez pas à m'envoyer, si vous voulez que je passe et je présente vos gameplays, n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, on se laisse là-dessus, c'était Eulune pour vous servir. Merci encore à tous de m'envoyer vos gameplays. N'hésitez pas, si vous voulez devenir membre, vous cliquez sur le bouton rejoindre, rejoindre le Discord de la Team La Salle, participer aux activités, participer aux vidéos. C'est en description. Participez au chat perché, chat shalom, tout ça. Si, tout est dans la description. Vous cliquez sur le bouton rejoindre, vous cliquez sur le bouton pour devenir membre, vous avez le lien. Et on se laisse là-dessus.